Hacker. Maman les noms des gens dans ma bouche. Voilà que ma part de Congos m'a rattrapé sur Facebook, comme pour dire de toujours tourner sa langue dans sa bouche trois fois avant de prononcer le nom des gens. Pour l'autre là moi-même j'ai cherché et j'ai fait ce que j'avais à faire depuis hier. Merci de comprendre. Bon maintenant pour l'autre partie là. En tout cas voici l'histoire. On entre en contact en 2020 je crois quand tu me contactes via Messenger pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Ce jour-là tu me fais un mandat de 50 euros pour m'acheter un cadeau. Et de fil en aiguille on a commencé à échanger sans arrière-pensée. Plus tard tu m'ouvres ton cœur en me disant ce que tu ressens pour moi. Tout de suite je te fais comprendre que ce n'est pas mon couloir, à chacun son truc. Mais tu me dis que tu ne désespères pas et que tu réussiras à me faire changer de bord. Mais les choses ne sont jamais arrivées là où tu aurais voulu. On devient encore plus proche comme une grande sœur et ça qu'aide à être la preuve tu n'as jamais pu m'appeler autrement que tata aimée, ce que j'appréciais beaucoup chez toi. Quand tu tombes enceinte de ta fille, tout devient compliqué pour toi et je t'ai apporté tout le soutien possible jusqu'à l'accouchement. Dieu merci tout se passe bien. Entre-temps je m'étais battue lors de nos longues conversations à te pousser à faire la paix avec ta maman avec qui tu n'avais plus de contact parce que pour moi un parent est sacré et il faut pouvoir en profiter autant qu'on peut. Quand je me retrouve dans le cauchemar des pluies qui ont inondé ma maison en détruisant tout, tu étais l'une des premières personnes qui a tout de suite trouvé des mots pour me remonter le moral car j'étais vraiment dans la détresse et je te dis encore merci pour ça. Je me lance donc dans un nouveau chantier en te demandant un prêt, que tu refuses de m'accorder, je t'en ai un peu voulu, mais j'ai fini par passer l'éponge. Je me suis battue comme j'ai pu pour avoir un nouveau toit et à la fin des travaux je t'ai envoyé ainsi qu'à mes filles la vidéo que tu as brandie hier comme preuve dans un de tes directs. Les choses commencent à se dégrader quand tu comprends enfin que tu as échoué à me convertir. Tu commences alors à me parler de tes conquêtes et en bonne grande sœur je te prête toujours une oreille attentive. Mais j'apprécie de moins en moins que tu m'envoies des nudes, des captures, des voix de toutes les cinéastes avec qui tu entretiens des relations. J'ai même fait un post sur mon profil à l'époque pour mettre les filles en garde, mais comme toujours personne n'a écouté. Je sors complètement de mes gonds quand tu m'envoies une énième photo d'une très grande dame du cinéma que j'apprécie beaucoup, ça tu le sais, mais je ne me permettrai pas de la citer ici car elle ne le mérite pas. À partir de là, le fossé se creuse et la distance s'installe entre toi et moi jusqu'à ce jour. Grande est ma surprise hier de découvrir que tu as créé une page et utilises la voix d'une ressortissante de l'Afrique de l'Ouest, car c'est toi je le sais et tu le sais, pour me faire passer pour ce que je n'ai jamais été. Tu sais pourtant que pour avoir été très proche à une époque des personnes de votre orientation, je n'ai rien contre vous, chacun fait comme il sent dans son corps. Une chose est sûre c'est que je n'arrive pas à t'en vouloir pour ton acte. Je comprends ta colère et tes frustrations, peut-être que j'aurais fait de même si j'étais à ta place. Alors je préfère garder le côté bon de la personne que tu es car oui tu as du bon malgré tout ma personne. Par amour pour ma petite princesse que tu élèves et que j'adore. Par amour pour mes braves qui me soutiennent et me suivent ici ou ailleurs. Beaucoup m'ont d'ailleurs écrit depuis hier pour comprendre ce qui se passe. Par reconnaissance pour toi avec qui j'ai lancé cette page, avec qui j'ai réfléchi jour et nuit pour trouver des stratégies pour la faire décoller car quand on se connaît en 2020 j'avais à peine 10 000 abonnés et je dis encore merci pour ton soutien. Je me devais de faire ce post ici car c'est ici que tu as voulu que tout se passe. Mon WhatsApp restera toujours ouvert pour toi au cas où tu aurais encore un jour besoin de moi car il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur, surtout pour toi. En espérant que tu liras aussi. Merci mes braves pour le soutien.